Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la retouche de portrait. Aujourd'hui, nous allons parler d'une technique qu'on appelle le dodge and burn. Alors, c'est une technique qui permet d'assombrir ou d'éclaircir certaines zones d'un portrait pour mettre en valeur certains détails. Alors, dans Photoshop, il existe plusieurs manières d'y parvenir. Mais nous allons parler d'une technique utilisée par les professionnels et par les amateurs avertis, technique bien connue qui s'appelle le Dodge and Burn. Avant de rentrer dans les détails de cette technique, nous allons voir comment ça se passe avec les outils fournis dans Photoshop. Alors, dans Photoshop, nous avons deux outils qui sont consacrés à l'assombrissement et à l'éclaircissement de certains détails d'une photo. Ça se trouve ici. Ce sont les outils densité. On a densité moins qui permet d'éclaircir et densité plus qui permet d'assombrir. Alors on va voir un petit peu comment ça se passe avec ces outils. Nous allons travailler sur la photo de la souriante Aurore. Je l'ai juste développé, je n'ai pas fait de retouche sur la peau, donc voilà, c'est une photo qui a été prise en studio. D'ailleurs, je l'ai prise dans un studio professionnel qui a disparu aujourd'hui qui s'appelait Cinestock à Villeurbanne. On a pu faire une très belle lumière, et là c'était sympa de faire des photos à l'époque dans ce studio. Mais passons à la petite histoire. Passons à la grande histoire du Dodge and Burn. Alors on va voir cette photo, je vais zoomer un petit peu dessus. Et on va voir ce qu'on pourrait faire en matière de retouche de la peau. Voilà. Donc là j'aurais envie peut-être d'éclaircir un petit peu ces zones en dessous de l'œil, légèrement, celle-ci peut-être un petit peu plus. Je trouve que ça fatigue un peu le modèle. On va la rendre un petit peu plus lumineuse. Peut-être éclaircir aussi un petit peu sous les lèvres pour les faire ressortir et assombrir un petit peu la lèvre inférieure. Le menton, il y a un petit coup de lumière qui, que je trouve un peu violent. On va essayer de l'atténuer en l'assombrissant. Idem par ici. Voilà. Les yeux, on va les rendre plus brillants. Et aussi un peu mieux les, les mettre en relief. Voilà, peut-être assombrir un petit peu les sourcils. Mais là, bon, je pense que ça va. Voilà ce qu'on pourrait faire, par exemple. Il y a plein de, plein de choses à faire sur les portraits. Donc là, je vais prendre l'outil densité plus pour assombrir un petit peu cette zone que je trouve un peu trop éclairée. Alors, densité plus, comment ça fonctionne On va travailler plutôt, vous voyez, on peut travailler sur les tons foncés, les tons moyens ou les tons clairs. Là, on va prendre les tons moyens. Et l'exposition, on va la laisser à 50 pour voir ce que ça donne. Et puis j'ai une sorte de pinceau avec une dureté que je vais peut-être régler un peu plus fort. Voilà. Et je peux régler la taille comme un pinceau traditionnel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on peut régler la taille du pinceau en maintenant la touche Alt enfoncée et le clic droit de la souris enfoncée. Si vous tirez la souris vers la droite, vous agrandissez votre pinceau. Si vous la tirez horizontalement vers la gauche, vous réduisez. Et verticalement, ça va concerner la dureté. Si vous descendez, ça augmente la dureté. Si vous montez, ça la réduit. Alors, on a bien l'habitude de travailler comme ça. Ça va beaucoup plus vite. Et c'est assez visuel. Voilà, donc je vais essayer de... Alors c'est trop fort. On va réduire un peu l'exposition. Voilà. Et peut-être la dureté, je l'ai mis trop forte. Alors je vais faire CTRL Z, excusez-moi, pour annuler. Voilà. On va réduire considérablement la dureté. Voilà. Mais là, vous voyez... Là je suis le plus fin possible et je pense que ça se voit un peu trop. Si je fais la même chose ici, voilà, c'est assez violent. Euh, c'est ce que je reproche à cet outil. On va essayer d'éclaircir avec l'outil non citez-moi, sous les yeux. On va voir ce que ça donne. Et là pourtant... Je suis dans des valeurs très basses. Je trouve aussi que ça reste un peu violent. Si je réduis, c'est déjà mieux. C'est pas évident, c'est pas facile à manipuler. On fait pas vraiment ce qu'on veut. Je vais essayer d'assombrir un petit peu ici pour voir ce que ça donne. C'est pas évident, ça n'assombrit pas vraiment et. Et ça fait des marques autour. Donc ce qu'on peut reprocher à cet outil, c'est d'une part qu'il est destructif, et d'autre part qu'il est un peu violent au niveau de, de sa puissance. Donc c'est pour ça qu'il existe une technique à travers des courbes. Cette technique, on l'appelle le Dodge and Burn. Alors je vais vous montrer comment la mettre en place, et une petite préparation à faire. Mais c'est beaucoup moins compliqué à faire que le split frequency que je vous ai expliqué dans une vidéo précédente. Et en plus, c'est reproductible facilement car on comprend ce qu'on fait. Alors les outils densité plus et densité moins sont destructifs, je vous ai dit, parce qu'on travaille à même un calque. Et on ne peut pas revenir en arrière. La seule solution, c'est de tout supprimer, de supprimer le calque. Vous y allez par Ctrl Z, mais quand on a fait énormément de retouches, je peux vous dire que c'est pas facile. Donc là, on va employer une méthode qui va travailler à travers des calques de réglage, donc absolument pas destructif, et en plus, on pourra très facilement revenir sur les retouches. Je vous explique. Dans un premier temps, nous allons faire nos courbes, donc au-dessus du calque erreur. Je vais mettre en place deux calques de réglage de type courbe. Alors, c'est par ici que ça se passe. Calque de réglage, courbe. Et vous voyez donc, il m'affiche les propriétés de la courbe. La première, ça va être le borne, qui va permettre d'assombrir. Alors, pour assombrir, je vais pousser les tons moyens de la courbe vers le bas. Comme ceci pas bien plus voilà et je vais la nommer foncé comme ça c'est plus clair je trace une deuxième courbe au dessus calque le réglage courbe et cette courbe je vais éclaircir je prends les tons moyens et je les pousse un petit peu vers la limite supérieure. Voilà, comme ceci, pas bien plus. Et je vais nommer ce calque clair. C'est clair. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, je vais cacher ces deux courbes à travers leur masque de fusion. Dès qu'on trace un calque de réglage, vous savez peut-être, ça met en place automatiquement un masque de fusion associé au réglage. Si je veux pas qu'on voit mes réglages, il faut que je mette noir. Je vous rappelle, le noir masque et le blanc laisse passer. Alors, je me positionne sur le masque de fusion et je fais inverser. Je fais la même chose pour la deuxième courbe, inversée. Ces deux courbes, je les sélectionne par CTRL, clic droit, groupe d'après les calques, et le groupe, je vous le donne en mille. je vais l'appeler Dodge and Burn. Voilà. Voilà et là je retrouve mes deux courbes. Alors on ne voit rien sur l'image parce que j'ai caché les réglages. D'accord Vous commencez à comprendre un peu la technique que je vais employer. Alors petit problème, sur une image en couleur, on a du mal à voir les ombres et les zones plus claires. Pourquoi Parce que la couleur est trompeuse, ça va tromper votre œil, Notamment les, les rouges, les oranges. Donc petite astuce, on va pallier à ce problème en créant deux calques de contrôle. Alors au-dessus de Dodge Burn du groupe, je vais créer un calque de couleur unie et je vais le passer en gris, gris neutre. Donc là je vais mettre à zéro le TSL, ce sera plus simple, et mettre à 50% la lumière, ce qui va me donner du gris neutre. Voilà. Ok. Bon, il me l'a mis dans le groupe. Ça, il fallait s'y attendre, je vais le remonter. Quand il y a un groupe, il le crée automatiquement. Voilà. Ce calque, vous voyez que il bouche absolument tout. Je vois plus la photo. On va le passer en mode couleur. Alors, vous voyez pas, mais faites-moi confiance, je passe bien en mode couleur. Voilà. Et là, au miracle, je revois la photo en nuance de gris. Alors, en fait, le mode couleur, le mode de fusion couleur, ça va donc effacer toutes les informations de couleur. Ça va les masquer, les cacher, et je ne vois plus que le, les nuances de gris. C'est pour ça que j'ai mis un calque uni gris neutre. Alors ça, ça me permet de bien voir les zones foncées et les zones claires. Et ça va me permettre de travailler beaucoup plus finement. Si ça, ça ne suffit pas, je vais créer au-dessus un calque en négatif. Alors. C'est dans les calques de réglage. Ce sont tous des calques de réglage. Donc, ça veut dire que je vais travailler tout le long en mode non destructif. Alors, bien évidemment, monsieur Adobe a changé le nom de négatif par inversé. Sympa pour les photographes. Il faut le savoir, mais bon. C'est Adobe. Voilà. Et là, au-dessus, j'ai créé un calque, un négatif. Donc ça, ça me permet de voir encore plus clairement les zones sombres qui sont devenues blanches et les zones claires qui sont devenues noires et en nuances de gris. Vous voyez, là, je vois très bien toutes les, les nuances de sombre. dont les dents sont devenues noires parce qu'elles étaient très blanches, mais ça se soigne. Alors, ce que je vais faire, je vais appuyer sur CTRL, je groupe les deux calques et je crée un groupe d'après les calques, et ce groupe je vais l'appeler contrôle. Voilà. Donc ça me permet d'isoler les calques de contrôle. Vous voyez, je peux carrément les cacher en masquant le groupe. Mais là j'ai simplement caché le négatif qui est horrible hein, et qui me gêne un peu dans mon travail. Voilà. Vous voyez la préparation est assez simple, moins compliqué que la préparation qu'on a vue dans une vidéo précédente pour le split frequency. Donc à partir de ça, je vais pouvoir travailler mes zones claires et mes zones foncées. Alors le principe va être simple. Pour éclaircir une zone, je vais aller sur le calque clair. Voilà. Et je vais simplement... Alors vous voyez, j'ai masqué à travers le masque de fusion, toute la partie de la photo éclaircie. Si je peins en blanc dans le masque de fusion, je vais laisser passer les zones claires. Idem pour les zones foncées dans le calque foncé. Vous voyez le principe Il est simple le principe. Mais tout va être dans le réglage du pinceau. Le pinceau doit être réglé assez finement pour ne pas faire un travail grossier sur les masques de fusion. Alors, attention, peignez bien sur les masques de fusion et pas sur le calque courbe. Alors, là, j'ai bien en premier plan la couleur blanche. Si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur ce petit icône au-dessus qui vous ramène donc les deux calques de premier plan et d'arrière plan en blanc et noir. Vous êtes sûr comme ça d'avoir un blanc, un vrai blanc et un vrai noir. Je prends l'outil pinceau. Et là, je vais vous conseiller les réglages suivants pour faire un travail tout en sensibilité. La dureté du pinceau doit être réglée entre 1 et 10. Pas plus. Alors, attendez, là, je remonte. Je vais le mettre, bah, ben, je vais le mettre à 5 comme ça. Puis après, on verra en fonction de la photo, de ce que je fais. Voilà. Le flux doit être Réglez aussi entre 1 et 10. Je vais mettre 5 également. Voilà. Et l'opacité doit être à 100%. D'accord? Et vous réglez la taille. Alors je vais essayer sur cette tache blanche. Là elle est vraiment blanche. Je vais essayer de l'assombrir. Donc je vais sur le calque foncé. Je vérifie que je suis bien sur le masque de fusion. J'ai le pinceau blanc. Et là, je vais peindre. Et vous voyez, c'est assez fin comme travail, effectivement. Ça fonce légèrement, mais ça me suffit, j'en veux pas plus. Je vais faire pareil sur le menton. Très, très légèrement. On va y aller doucement. Il ne faut pas que ça se voit. Il faut que ce soit très fin. Et puis pareil sur, cette, euh, sur ce coup de, de, lumière là en plein sur le, au-dessus de l'œil également doucement. Faut juste l'atténuer, hein, faut, faut pas faire une tache sombre dessus parce que ça va être pire. Alors, si je passe plusieurs fois au même endroit, je vais foncer avec un flux de 8. Si je passe une quinzaine de fois au même endroit, je vais avoir un flux à 100%. Hein. Regardez bien ceci également. Alors je regarde ce que ça a fait sur ma photo en couleur. Je cache. Et vous voyez, c'est pas mal. Hein. C'est bien atténué suffisamment, il n'en faut pas plus. Voilà. Et je vais continuer mon travail sur les zones sombres. Là, j'ai une tache claire également. Elle a foncé très très légèrement, mais pas plus. Voilà. Je reviens sur mon calque gris neutre parce qu'en fait, c'est bien cela qui est le plus pratique. En dessous des yeux, j'avais dit que ces ombres me gênaient. C'est vrai qu'elles sont un peu trop sombres, donc je vais les éclaircir. Je peins sur le masque de fusion. Et là, ça va pas mal. Il n'en faut pas plus. Je vais agrandir un petit peu le pinceau en veillant de ne pas bouger la dureté. Voilà. Un petit peu au-dessus là. Pas trop. Juste atténué. Je vais faire un petit peu pareil ici pour faire ressortir l'œil. Alors par curiosité, je vais aller voir le, le calque négatif. Et si vous vous souvenez, hein, les zones euh, claires ici étaient très claires. Hein, ça faisait carrément un point noir. Ça a bien été atténué, notamment sur le menton. Et en haut aussi. Hein, mais il ne faut pas les atténuer complètement parce que ça va faire une tache foncée autrement. Hein. Donc on va faire le contraire de ce qu'on voulait faire. Voilà. Donc je ne vais pas tout faire en, en direct. Hein, ça prend beaucoup de temps, une retouche comme ça. Je vais vous montrer comment faire sur les yeux. Alors là on va zoomer fortement, voilà. Alors sur l'œil, je vais éclaircir un peu plus le blanc de l'œil. Je réduis mon pinceau considérablement. Voilà. Je vais ressortir le blanc, quand ça lui donne un petit peu d'éclat. Voilà, je fais pareil sur l'autre, je fais un peu vite. Hein. Alors il se peut qu'en vidéo, vous n'ayez pas tout à fait le, le même résultat. Hein. La vidéo va un petit peu atténuer les effets que je suis en train de faire. Voilà. L'intérieur de l'œil, je vais l'éclaircir. Encore que je réduise. Alors je passe plusieurs fois là parce qu'il faut bien y aller je laisse le la circonférence sombre pour que ça donne du relief voilà ça suffira Vous voyez pourquoi il faut régler son pinceau très très finement parce que là on voit absolument pas les coups de pinceau voilà ça devrait suffire on va voir ce que ça donne en masquant le c'est pas mal Vous voyez les yeux sont beaucoup plus présents on voit la couleur il faut pas en faire plus voilà bon je vais m'occuper un peu un peu de la bouche puis on va s'arrêter là mais c'est juste une idée de ce qu'il faut faire euh, il faut des fois passer plusieurs heures hein, sur une, une retouche de, de peau pour avoir quelque chose de sympa mais bon, le but de ce tutoriel, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Je vais assombrir un petit peu les lèvres. Donc je vais sur le masque de fusion foncé. Voilà. J'agrandis un petit peu mon pinceau. Je laisse la dureté. À... Je vais la remettre quand même à 5. Je suis bien sûr foncé. Voilà. C'est pour faire ressortir un petit peu plus la lèvre. Voilà, puis c'est le bureau aussi. Bon les dents sont très blanches. Hein. Là il n'y a pas à les retoucher. Sinon, ben, il suffit de les, les éclaircir. Voilà. Alors, avant le John Born, vous voyez, quand même, hein, sur le peu de retouches que j'ai fait. Et après. Mais déjà, ça s'améliore, notamment au niveau des yeux, hein, du contour des yeux. Les taches très blanches. Euh, sont atténués Voilà, donc euh, il vous faudra bien prendre votre temps, hein, euh, faire des allers-retours. Si ça va pas, ben vous vous corrigez. Il faut zoomer, il ne faut pas avoir peur de zoomer, pas trop non plus, parce qu'autrement vous allez avoir euh, des tâches un petit peu déformées. Euh, voilà, à force de travailler, de d'expérimenter tout ça, vous allez pouvoir faire un travail très soigné. Vous allez prendre l'habitude. Alors, vous pouvez aussi automatiser la création des calques à travers une action. Je vous invite à regarder mon tuto précédent sur les actions dans Photoshop, le chapitre 2. Là, c'est assez facile à faire, hein, parce que ce sont toujours les mêmes réglages qu'on applique et toujours les mêmes types de calques. Donc, pas de souci. Cette technique du dodge and burn, conjuguée avec la technique du split frequency, que j'ai décrite dans le chapitre 1, vous permet de faire vraiment un travail de qualité sur vos portraits, sur les retouches de la peau. Et puis ça s'applique également sur d'autres photos que sur des portraits, bien évidemment. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura intéressé. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain tutoriel sur Photoshop fonctionnalités avancées.